Jonathan Grady, 26 ans, défenseur central, et je viens de m'engager avec le RC Lens. J'ai été formé à Bordeaux depuis tout petit, depuis l'âge de 9 ans, donc j'ai fait toutes les classes en jeune. Et après, je suis parti une année à Bayonne derrière Bordeaux, ça s'est bien passé. J'ai rebondi directement à Tours en Ligue 2, et j'ai fait une année à Caen l'année dernière en Ligue 1, où sur le plan personnel ça s'est bien passé, et me voilà arrivé à Lens. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris dans le sens où on est vachement pris en main, et il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre ici, j'ai l'impression, et beaucoup de salariés. Et c'est vrai que j'ai été pris en main dès que je suis arrivé, donc ça fait super plaisir. En plus, j'ai pu découvrir aujourd'hui les coéquipiers ce matin, et j'ai découvert une super ambiance aussi, donc ça fait super plaisir. Après, quand on est un petit nouveau encore, il faut s'adapter, il faut créer des liens, etc. Mais ça va venir au fil du temps, et je me fais pas de soucis. Mais l'ambiance globale est très bonne dans ce club. Ça fait un petit moment que Lens me suivait depuis pas mal d'années. C'est vrai que j'étais très bien à Caen aussi, il faut l'avouer, donc j'étais pas dans l'optique de partir en ce début de préparation. Après, il y a Lens qui s'est proposé en venant vers moi, et c'est vrai que le projet m'a énormément intéressé. Je voulais, si je devais partir de Caen, ce qui à la base n'était pas le cas, c'était pour partir pour quelque chose de bien, et je trouve que tout est réuni ici pour faire quelque chose de grand cette année. J'ai hâte de découvrir ça, et de voir cette ambiance magnifique. C'est vrai qu'il y a une ferveur populaire ici qui est super importante, et moi j'ai toujours dit, le football c'est du plaisir, et venir ici c'est que du plaisir aussi, parce que voilà, il y a quand même une ambiance particulière ici. Je suis venu 3-4 fois jouer dans ce stade-là, et c'est vrai que c'est rare de voir ça. Même en Ligue 1 l'année dernière, j'ai pas vu beaucoup d'ambiance qui ressemblait à ce club-là. J'espère qu'on va réaliser enfin, une grande saison, avec l'objectif qu'on attend tous, c'est-à-dire la Ligue 1. J'allais dire que vous soyez là pour nous, mais ça c'est pas une phrase à dire, parce que vous l'avez toujours été, même dans les moments les plus durs. Donc j'espère vraiment qu'on réalisera de grandes choses, et que vous allez nous emmener aussi très loin avec la ferveur et l'ambiance.